situé dans l'arrière-pays du Cap de Leuca, Giuliano di Lecce est un hameau de la commune de Castignano del Capo. La communauté de Giuliano a des origines anciennes, comme en témoignent les présences mégalithiques représentées par le menhir Menzi, situé dans Via Regina Elena. Le centre historique de Giuliano préserve sa beauté originelle. La structure urbaine est caractérisée par la présence d'une ancienne porte médiévale, construite en ligne avec la rue principale qui traverse les bourgs. En se promenant parmi les petites rues, on rencontre les balcons des moqueries, datant du XVIIe siècle, où des drôles visages surgissent des encoches dans l'élégant balcon. Le centre habité est caractérisé par la présence du château féodal. Il a une structure médiévale et il est doté des puissantes tours quadrangulaires situées aux côtés de l'édifice. L'édifice conserve aujourd'hui encore une partie du fossé, tandis que la façade principale est décorée avec une sobre porche datant du XVIIIe siècle, résultat de nombreuses innovations structurelles apportées au cours des siècles. L'église mère est très élégante et elle est dédiée au saint protecteur byzantin Giovanni Chrysostomo. L'édifice remonte au XVIe siècle, mais il a subi nombreuses rénovations. Sur la façade frontale, on peut noter un fort appel au goût néoclassique. Les modifications architectoniques ont été réalisées au cours des dernières années du XIXe siècle. Le clocher, positionné dans la zone absidiale de l'édifice, a été complété dans les mêmes années. L'héritage byzantin de cette ancienne terre est bien visible dans les restes de l'église de San Pietro, située en direction des campagnes, parmi les monuments religieux les plus vétustes du diocèse de Ugento Santa Maria di Leuca. Giuliano est un bourg très charmant, riche en histoire et beauté architectonique. Son passé résonne encore dans ses formes délicieuses, dans les espaces sobres et bien tenus, héritage vivant de la simplicité typique de la tradition sociale du Salento méridionale.